Abunia ina, mami wa, 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 m
I'm gonna make it.
Les hommes élevés, au Saint-Pierre Saint-Paul, jamais gagné, jamais gagné. Sous les seins des jours passés, voici. Mais c'est un sens si mauvais. La voici. Thank you.
maman, maman, bien, bien marqué, bien couronné. Maman, quelle belle vie. Eh bien, tout le monde a mis dans le même, s'il vous plaît. Pour M. Serein, Colin Serein. Et nous pas crier. Ouais! 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 Pour Colin Serein. Ouais! Ouais! Yes, I. C'est là pour nous prendre la main. Ouais! 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 Pour nous prendre la main. Attendez. Ouais! 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 Pour nous prendre la main. Attendez. Ouais! 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 Attendez. Les voix nous payent. Attendez. Ouais! 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 Attendez. Thank you.
choix. Tout ça, c'est pour qu'on aime. Famille, respect pour famille, respect pour les amis, les amis proches, tout ça qui s'ensuit. Alléluia, vers le Seigneur. Alléluia, vers le Seigneur. Moi qu'a mandé, mon Dieu, que la pluie l'a tombée, que le soleil l'a chauffé, pour nous payer récolter. Petit moulin nous grandit. Voyons vers l'esprit, parce que tu es mauvais envie, pour ne pas faire mal dans la vie, colère. Alléluia, vers le Seigneur. Alléluia, vers le Seigneur. Alléluia, vers le Seigneur. Alléluia, vers le Seigneur. Merci, merci, colère. Tout on s'en fait en nous, pour laisser un bel prêtre, en prêtre à où nous péquer oublier. Bon Dieu, dis-nous pas vivre comme ça, en nous vivre en harmonie, en nous faire l'amour entre nous. Ça fait meilleur dans la vie, c'est vrai. Alléluia. L'amour fraternité. Vers le Seigneur. L'amour fraternité. Alléluia. Vers le Seigneur. Bravo, bravo, les répondeurs. Alléluia. On nous joue ma colère. On nous joue ta bouba dans la salle vaillant de l'air. Dans la salle vaillant de l'air. On joue ta bouba dans nos vies. Je vous le vois. Je vais faire ta bouche là. Et ça, il n'y a pas de vaillant soldat, pour Guada. Décédé, pour les voyager, mais bon, voyez, colère, elle n'a pas encore reposé en paix. Nous allez, pour les voyager, bon courage, bon voyage, colère, elle n'a pas reposé en paix. Amandez les répondeurs, tous les répondeurs, les vues la voix.
assistant va faire des autres, écoutez les musiques, nous allons jouer. La bouga vient de céder, pas dit tout le monde qu'on va au bain. Eh oui, nous allons, pour les voyager, nous goûter, au voyage pour l'un, et dans ma vie aussi la paix. J'ai tout dit les vrais modèles, quand moi j'ai donné les tambouillés, tambouillés pour y avoir moins, à caler mon nom à plage à au bain. Tout le monde a goûté avec moi, nous allons monter avec Caribé. Vous voulez décédé, nous allons, vous voulez voyager, bon courage, bon voyage pour l'un, et nous allons poser la paix. As-tu ni des assistants, as-tu ni ton aile et ton bouillet, t'as bouillé pour y avec moi, t'as allé mon nom à l'arrivée. Thank you.
Thank you.
Merci, présence à toutes. Nous savons que nous venons dans nos carrés, mais bon, nous carrés parce que nous avons joué tambour, nous devons être traités, nous, on va dire, si moins belle quand même. Mais nous savons que nous venons dans point cause. Voilà, nous venons dire des mots, nous tous savons pourquoi nous. Dimanche, un bon matin, on te demande combien de bonnes pieds, femme là, pas mon gaz là. Dimanche, un bon matin, au nom de la loi. La dimanche bon matin, coupez la zone tibilip tibilibilip à Kaïvanda. Dimanche bon matin, coupez la zone tibilip tibilibilip à Kaïvanda. Dimanche bon matin, comme un gazimama au soir. Dimanche bon matin, vous êtes un croyant pour moi, pénoté tout ça arrivé. Dimanche bon matin, vous répondez pas les mêmes à Kaïvanda. Dimanche bon matin, vous répondez pas. Dimanche au matin. Mama, oh, swella. Dimanche au
Oh, bel passage. Sentiment, c'est Guy Coquin. Ça, c'est des morceaux favoris. Ben Bicho, Ben Bicho. Pendant cette mouna, qu'elle est voilà, Ben Bicho. Ben Bicho, Ben Bicho. Pendant cette mouna, qu'elle est voilà, Ben Bicho. Ben Bicho, Ben Bicho. Yoga dit maman, yoga bedatino. Ben Bicho, Ben Bicho. Maman, je tape à la machine. Ben Bicho. Maman, je tape à la machine. Bambicho, bambicho. Bambicho, 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 bambicho. Bambicho, bambicho. Prière répondait, déposez-moi. Bambicho, bambicho. Fini pour déposer-moi, y'a bambicho. Bambicho, bambicho. Tout le monde est quand il faut faire la mêle. Bambicho, bambicho. Tout le monde est quand il faut faire la mêle. Bambicho, bambicho. Pendant cette monnaie, elle est pour la bendicho. Tous les répondeurs, quand je vois pas la main, qu'on s'en donne. Tous les répondeurs, pas payé, c'est pas moins. Ton ami, c'est déposé pour un bendicho. Tout pendant cette monnaie, elle est pour la bendicho. Yoga dit maman, yoga bendicho. Bambicho, bambicho, maman,
On a dit panis silence bacolin, applaudissements bacolin. Parce que sans boucle, les décamatra en côté, les autres cartanni. Alors applaudis, hommage à Colin. Et merci NKB qui a accompagné. Accompagné. Parce que NKB qui a accompagné en long monde en Île-de-France. Il y a des sons, ces vidéos-là, mais regardez. Et toute œuvre Colin Serin, même si pas ni temps écrit en livre, je peux garder le travail ici, page Facebook. Alors, Colin Serin, garder le travail, garder ça est fait. Par la population antillaise en Île-de-France, par la population guadeloupéenne, martiniquaise. Et chaque jour, Colin était qu'à faire une recherche pour savoir qui information était prévoyée dans les pages Facebook. Parce que tous les jours, il y a une information sur nos compatriotes qui sont décédés, qui sont actifs aussi. Hein. Alors nous allons dérouler après-midi là, introduction là avec président NKB, madame a collé en entrée, Timouna a collé en entrée, applaudissez-vous pour moi s'il vous plaît. Parce que je vous dis moi, 20 minutes de silence, mais en pas 20 minutes de silence là, préférez applaudissement là, un peu de chaleur pour Colin. Alors on appelle première partie l'introduction, le président de NKB. J'officie aussi avec Madame Angèle Louvier. Elle est où? Alors je laisse le micro à Madame Angèle Louvier. Bonsoir mes amis, bonsoir mes camarades. Nous sommes là dans un moment, je dirais, difficile et très dur pour nous. Nous avons un chagrin. Nous avons la peine, mais nous avons habitué l'œuvre, c'est des moments comme ça, nous avons sérieux. Donc à toute famille, à Madame Akolé, à Timounay, nous vous disons force, courage et toutes nos condoléances. Donc, moment-là, ça, c'est un moment important. Parce qu'à quoi, au même moment, Guadeloupe, quelques heures plus tard, à Baïf, nous avons fait le même hommage là, à Akolé. Donc, nous pas dans la désespérance, nous dans le chagrin. Mais nous allons porter ça haut. Et tout après-midi là, j'ai entendu des gens qui font des témoignages, des messages, qui parlent de Colin parce que nous, en cas des autres, franchement, nous ne connaissons pas Colin. Colin, c'est un militant, c'est un président d'association, c'est un passeur. Donc, c'est trois côtés à Colin que nous allons découvrir à travers des gens qui disent chaque monde a un sens à eux, a une parole à eux. Donc, pour l'instant, premier monde qui gagne pour la parole, c'est le président de l'association NKB, Marie-Georges Gordien. Tu as la parole. Allez, merci. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Alors, j'ai l'honneur et la lourde tâche d'ouvrir cette veillée hommage à notre très cher Colin, à toutes et à tous. Alors, mais d'abord, je voudrais m'adresser à la famille. Anouk, nous pensons très fort à toi. Nous pensons aussi très fort à vous, les enfants. Nous pensons aux frères et sœurs qui sont, je crois, plus nombreux en Guadeloupe qu'ici. Sachez que toutes celles et ceux qui sont là aujourd'hui autour de vous sont venus vous témoigner leur peine, leur douleur, et sont venus aussi vous soutenir dans ce moment difficile. Colin nous quitte le 28 janvier 2024, alors qu'il rentrait dans ses 69 ans
qui lui aurait donné cette tâche. D'ailleurs, de nombreux médias se sont fait avoir en lui donnant 62 ans. Mais ce n'est pas étonnant parce que Colin était quelqu'un de très dynamique. C'était quelqu'un qui était présent, pas pour l'association NKB, pour sa communauté. Il était toujours disponible et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de détermination dans ce qu'il entreprenait. Colin était sur tous les fonds culturels depuis de nombreuses années. Il a touché à de nombreux domaines, tous liés à son attachement à sa Guadeloupe natale. Et il a pu acquérir une certaine expertise, expertise de la culture de son pays, qui lui a permis d'être une référence. Il a été une référence et pour cela, il a été sollicité par tous, en particulier par les associations d'Île-de-France. Et ça, c'était la force de Colin. Il a toujours été prêt à transmettre ses connaissances. C'était son credo. D'où son entrée à Nokabaï, on transmet la transmission. Alors je dis son entrée, non, il était membre fondateur de cette association. Et vous verrez, les témoignages qui vont suivre vont vous montrer ces différentes facettes. Vous êtes d'ailleurs nombreux ici à avoir partagé, à avoir travaillé avec lui, à avoir partagé ses passions. Fond des sincères condoléances. Nombreux sont les militants de l'association qui sont présents ici, mais beaucoup sont rentrés depuis en Guadeloupe et en Martinique. Nous souhaitons vous dire que nous sommes tous très marqués par la disparition de Colin et nous nous associons à votre douleur. Colin a passé 12 ans en tant que vice-président de l'association Nokabaï. Avec lui, on a vécu des moments extraordinaires et de moments inoubliables. C'est avec lui qu'on a imaginé, qu'on a créé une institution qui n'existait pas, qui s'appelle une soirée chant éveillé. Donc tous les 1er novembre, on se réunit pour chanter des chants de veillée mortuaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont des chants accompagnés de l'onomatopée, le boulaguel, que vous avez dû entendre tout à l'heure. Il a été aussi l'un des grands artisans de la stèle que l'association Nokabaï a dévoilée dans le village de Fleury de Vendômont pour nos soldats des Antilles françaises qui ont péri durant la Première Guerre mondiale. Ceci en plus avec le total soutien et la détermination du maire de ce village qui s'appelle monsieur Jean-Pierre Lapara. Colin et moi, nous avons eu à faire plusieurs allers-retours dans la région de Verdun pour convaincre M. Lapara de la nécessité d'une stèle pour nos soldats qui ont été oubliés, qui ont péri durant la Première Guerre mondiale et qui ont été complètement oubliés. Il a aussi contribué au respect que porte la ville de Verdun aux Antillais et à ses soldats oubliés de l'histoire, en particulier avec le maire de cette ville, M. Samuel Hazard. Là encore, avec Colin, nous sommes partis à Verdun convaincre M. Hazard qu'il est important que les soldats des Antilles françaises soient reconnus dans cette région. Et nous avons gagné ce combat. Notre frère Colin. Miguel, à toi la parole. Bonsoir à tous, à la famille, toutes mes condoléances et toute ma sympathie. À me souvenir de Colin Serin, je ne peux vous dire plus que vous ne sachiez déjà. Colin Serin, l'homme de Baïf, le Guadeloupéen, le militant, le tambouillet, le marqueur de parole, l'ami. Il fut pour moi, pour Johnny Gray et Nadia Godin, un bon camarade. Nous fûmes longtemps le club des quatre, fantastique. Nous le fûmes parce que nous formions parfois qu'un seul.
Nous étions mixtes, deux femmes, deux hommes, à la tête d'une belle émission de médias tropicales d'abord, puis de Tropic FM, dernière version du 92.6. Pour nous, ce n'était pas une mascarade que d'occuper l'antenne toute la matinée. C'était comme une mission accordée par la passion de nos cultures Groka, Belay, littérature, exposition, carnaval, chanter Noël, etc. À cette période de Noël, d'ailleurs, nous avions un autre complice, le cochon, retenu dans le parking de la radio. Et certains auditeurs croyaient vraiment que nous nourrissions un goré au sous-sol. Puis, il y avait les taquineries des garçons à mon égard, faisant croire que je buvais du rhum plus que deux. Jusqu'à ce qu'un jour, une dame âgée nous rencontre à la halle de la Villette et dise qu'elle aimait bien ce que je fais, mais qu'elle priait pour moi pour arrêter l'alcool. Ah là là, Colin éclata de rire et lui signifia que c'était des blagues de radio. Je ne suis pas sûre qu'elle le crut. Cependant, nous étions une équipe solide, avec le cœur et le cœur d'amitié vrai que nous formions. Nous avons porté à l'antenne la littérature d'ici et d'ailleurs de nos outre-mer à cette époque de 1990. Cela ne se faisait pas tant que ça. Moi-même avais initié à leur côté des portraits de femmes noires. Nous apportions la musique d'antan sur l'antenne, recevions tout genre d'artistes pour dire combien notre musique, notre art enrichissait cette culture hexagonale qui faisait matière première et oubliait les mémoires périphériques. Ensemble. Le dernier que nous avions reçu fut Patrick Saint-Éloi, qui nous avait chaleureusement félicités de notre travail et nous encourageait à poursuivre malgré tout. Et c'est cela qui tenait à cœur Colin Serin. Porter la parole de ses origines en mitant de la terre qui accueillait des milliers de gens d'outre-mer depuis des années, mais qui ne la connaissaient pas tellement. C'est ainsi qu'il participa à bon nombre d'associations pionnières sur ce chemin de reconnaissance. Permettez-moi de ne pas les citer ici, je ne voudrais pas en oublier une seule. Mais chacun de vous connaît ou découvre son parcours, le professionnel et le personnel se croisaient constamment. Sa parole est assez dynamique pour être entendue par les uns et les autres. Voilà de lui ce dont je peux témoigner ce soir. Il fut des nôtres. Il fut un bon camarade. Et à cela, j'associe la pensée de son complice frère Johnny Gray et sa sœur Nadia. Nous formions un quatuor pour élever nos esprits lors des week-ends du fêtu Caraïbe. Et ce fêtu aujourd'hui manque d'un ingrédient essentiel. Mais la recette a prise. Là est l'essentiel. Bel voyage, bel passage, Colin. Merci, Anshaï. Merci, Miguel. Nous avons accueilli un collègue à Colin, un maquet créole, un formateur créole, Jean-Pierre Chaville. Bien, bonjour tout le monde. D'abord pour Yon, en cas vous voyez, toutes condoléances pour famille à Colin et toute prochaine. Alors, Colin, nous tous connaissons les dimensions qu'il tirait là, mais il était digne en l'autre d'autres dimensions aussi. Nous tous croisons Colin, on joue l'autre, on vient nous, et nous rencontrons un bouc qui est bien choqué en pépaille. En cas vous voyez qu'on Guadeloupéen, qu'on artiste engagé, on créoliste, on formatait, on en a banqué. Moi personnellement, chez moi, je viens de croiser Colin, on commence par aller l'année 90. Allant toi, Groka, et en disant journée créole. Mais en créole, là, déjà ni des mondes vaillants, des mondes qu'on Igodrané, qu'on Colin lui-même, qu'on Daniel Bookman, et c'est veillant, on vient de s'y si par la télé créole, et c'est là qu'on fait premier pas à moi. C'est des boucs qui toujours encouragent moi et puis loin. Et au moment, on chale virer l'autre côté là. Daniel dit moi comme ça, qu'il est qui go, il n'a pas de matinée. Il faut passer la tire et la mort. Et c'est en sens là ça aussi, Colin est toujours là pour nous qui venons derrière, pour encourager nous et pour nous aller plus loin. Et c'est comme ça, c'est la tire et la montée, la tire à héritage à Tony Mango, moi, c'est l'amical RATP et on l'autre d'autre côté aussi. Et c'est comme ça que nous menons différents combats dans le collectif pour créer au bac, pour nous faire passer, qui est preuve obligatoire, qui est preuve option. Avec Olin, nous montons l'atelier à l'idée à Jean, à Capitation, Lionnage Créole, et puis M. Ira David,
qui a organisé un hommage à Siba Yves Jodla. Et nous formons mon secteur là. Et petit à petit, en prenant volant moins. Mais en bout de Colin, il était toujours là. Il était toujours quand je me dis qu'il s'en joue créole, qui s'en dans les latiliers, qu'on voit pour créole nous faire. Et puis les groupes à peau, à d'autres manifestations, il était toujours là. Pour moi aussi, son beau qui dit plusieurs dimensions. Dimension culturelle là, nous autres connaissons lui. Pour animateur à Bouillon culturel, les fêtes au Caraïbe, dans les différents radios, Contropique, Médias, OBS Espace. Il ouvrait porte, hein, il ouvrait porte pour l'association, pour faire connaître le travail à eux, pour artistes en nous, pour poètes, pour écrivains. Et c'est un beau qui tenait le respect parce qu'il était capable de travailler avant. Il n'était pas capable de recevoir sans y connaître ça on fait réellement. Et nous travaillons à des héritages. Pour te parler conférence à l'endroit Goka, ou bien pour faire soirée tambour, pour te honorer conquête, pour te honorer l'oison. Mais avant tout, il y a une grande dimension politique, sociale et patriotique. Quand est depuis rentré en France, il rejoint à l'UTEC, Union des travailleurs émigrés guadeloupéens. C'est une organisation nationaliste parce que lui, il était capable pour souveraineté à pays. Il y a dans tout ça, il fait aussi. Défendre l'identité, lutter contre l'injustice, il y a l'idée que les Guadeloupéens ont qu'ils disent, ont identité et faut défendre. Et engagement là, ça, nous avons trouvé tout en vie, dans tout ça, il vous fait, qui côté militant, qui côté politique, qui côté syndicaliste, lutter contre l'injustice. Nous trouvons dans un collectif, nous avons monté pour mai 67, pour moi, des vérités, justice et réparation. Il était là avec nous qui a sillonné l'île de France pour faire connaître l'histoire là ça. Et nous monter collectif debout pour Guadeloupe, il était là aussi avec nous pour défendre les problèmes sociaux, pour dénoncer violence à gendarme et plus particulièrement pour assassinat à Claude Jean-Pierre. En troisième dimension, nous tous connaissons ces militants culturels là, militants Goka, depuis un temps à Luther et Banza. Otila Yomet, si pieds journée créole, et les premiers latillés pour jouer Goka. Après, c'est côté pour nous cabaye. Marie-Jean Sotidi, il fait chimé. Mais il était toujours là aussi, quand à Colombe, pour d'autres côtés, à Kata Fraternité, tout patriote besoin, il toujours répond. Il n'y a pas Jean Lagué communauté, ni depuis ITP, il était là et puis. Coucou l'insurin, dit coucou l'inouanou. Y aller. Pour nous bailler force là, faut nous laisser y aller, alors arrêter pleurer. On y a trois messages. On y a un message à Jocelyn Blandor de Bordeaux, qui c'est cousin à Colin aussi, cousin à moi. L'homme Colin, les gars m'ont arrivé en oreille en moins, en tressaillé d'avoir dit nous, des mouns qui nous cacouaient éternel. En commandant la lirondelle, et les vaillants joueurs d'élever la voix, d'élever pour un vaillant soldat. Ou toujours t'es qu'à l'occancer, depuis où t'es payé. Ou t'es qu'à porter lumière pour comprendre en nous, qui c'était pour qu'il dit, ou histoire, ou pour musique en nous. Toujours partant et premier pour bailler en main à un autre. Toujours t'es qu'à rendre hommage ou soutien en l'autre. Famille et communauté, c'était via. Ou t'es qu'à clairer qu'on y est libéré. Tellement on t'es qu'à porter de lumière dans nous. En paix, que j'en oublie, en paix, que j'en oublie, beau comptage en nous, quel que soit si j'ai là, et on t'es toujours compté sur vous pour un camo syndical. Grand et sincère à Gokala. Avec d'autres vaillants soldats, ou à y faire sonner, Gilles Inesco, et ou toujours continuer à mettre devant avant tout ça en tes cafés. En cas baissé, bien bas devant, avec honneur et respect. Colin, ou toujours chanter pour ça qui partit avant. Mais je là, c'est communauté là qui est l'occasion de vous pour mener à l'air en filao. Bon voyage, vieux frère, et que nous avons reposé en paix. Ou les, un message aussi à moi, à la mémoire bien-aimée de Colin Serin Cocolino.
C'est avec une profonde tristesse que je prends la plume pour rendre hommage. Dommage, on ne peut traduire en créole, c'était trop rapide. Pour rendre hommage à un homme remarquable, un être cher et un défenseur passionné de nos racines et de notre histoire. Cocolino, tu étais bien plus qu'un cousin. Tu étais un guide précieux qui a marqué nos vies de ton empreinte indélébile. Ton engagement inébranlable envers nos cultures, ta détermination à préserver nos traditions et ton rappel constant des dates importantes de notre histoire étaient autant de démonstrations de ton amour pour notre communauté. Ensemble, nous plus forts. N'était pas seulement un slogan pour toi, c'était une conviction profonde qui guidait chacun de tes pas. Je me souviens avec émotion de tes efforts pour soutenir Loïc Libert, ton cousin, lors des moments difficiles. Ta présence assidue et tes visites réconfortantes étaient un témoignage de ton amour familial et de ton dévouement envers ceux qui te tenaient à cœur. En 2015, lorsque j'ai eu besoin de ton soutien, tu étais là. Et je n'oublierai jamais ta bienveillance et ton aide précieuse. Cocolino, tu étais un homme complet, juste et généreux. Nos échanges empreints de taquinerie étaient autant de joyeux souvenirs que je chérirai toujours ton départ. Réinvite immense, mais je choisis de me rappeler de toi avec gratitude, amour et le sourire que tu avais le don de partager. En ce moment difficile, je souhaite que tu trouves la paix éternelle. Merci beaucoup, Cocolino, et que ton âme repose en toute sérénité, avec un Dieu empreint de tristesse. Et ça, c'est de moi. Condoléances à la famille. La nièce de Colin. Bonsoir à tous. Donc, je représente ma mère, qui n'a pas pu être avec nous, et au pays en Guadeloupe, qui se prénomme Claudia Serin, la sœur de mon oncle Colin Serin, et qui m'a demandé de lui lire un hommage parce qu'elle ne peut pas être présente. À toi, mon Cocolino, j'ai très mal au fond de moi. Je me sens diminué, vide, perdu. Toi, mon frère, tu es parti me laissant la peine et la souffrance. Tu m'as promis de revenir en juillet. Comment vais-je faire? Tu nous laisses des souvenirs inoubliables. Le son de ta voix, les chansons le matin au réveil quand tu es en vacances chez moi. Le cao café clo-clo, que je n'entendrai plus. Trop dur, je ne cesse de pleurer. Bon voyage, Cocolino, ou montez au fil à eau, on se retrouvera. Je ne t'oublierai jamais, ta petite sœur clo-clo, je t'aime. Merci. Nous allons continuer l'échange et les témoignages. Et j'aimerais bien avoir à mes côtés Toto Gordien. Quand je suis rentré, il y a une rivière d'oulet, une montagne d'oulet tombée à 6 mois. Les premiers mots vont à la famille, la compagne, les enfants. Colin, je le connais depuis 1981. On a milité ensemble pour l'indépendance de la Guadeloupe. En fait, pour la dignité de la Guadeloupe, pour la culture de la Guadeloupe. Et Colin, on était membre d'une association qui avait été créée à l'époque, qui s'appelait l'Union des travailleurs émigrés guadeloupéens. On était dans la même section. Et l'idée, c'était que les Guadeloupéens en France comprennent qu'ils sont un groupe et qu'en tant que tel, il fallait préserver la culture, il fallait préserver l'identité. Et Colin s'est beaucoup démené pour ça. Après, j'ai revu Colin en 1998. Parce qu'entre-temps, j'étais parti à la Guadeloupe définitivement et je suis revenu en 1994, et nous avions créé une association qui s'appelait Boisfouillé. Colin était de la première Boisfouillé numéro 1, et on a fait Boisfouillé numéro 2 après. Parce qu'on voulait vraiment comprendre, aller un tout petit peu plus loin. Et c'est pour ça que vous avez entendu parler de la marche du 23 mai 1998. 40 000 Antillais ont défilé pour penser à leurs parents
qui avait vécu l'esclavage. Colin avait compris ce message-là, parce que Colin savait que le gros cas, qui était son essence, qui était son moteur, qui était sa vie, avait été créé par des esclaves dans l'esclavage. Il avait compris par conséquent que cette marche-là était essentielle et il était dans le service d'ordre de la marche. J'ai une photo, je vais donner à la famille si elle le souhaite. On voit Colin avec des camarades faisant la chaîne pour protéger cette marche silencieuse. Et vous savez, cette marche de 98 a fait que, je pense, on a progressé en dignité et Colin a continué le combat sur le front culturel. Et je me souviens de notre dernière émission sur Espace FM, on parlait de Gérard Loquel. Gérard Loquel qui est celui qui justement a mis la musique Groka dans une gamme. Il a trouvé que notre musique se joue dans une mélodie. Je lance un appel à Boisfouillé, à Noukabaï. Il y a une mélodie dans laquelle se joue la musique. Et Colin avait compris ça. Colin m'a dit, Toto, on y raison, on n'a pas qu'à écouter Gérard Loquel assez. J'aime quand on me dit ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait qu'il faut aller de l'avant. Et moi, ce qui me fait bizarre, Colin avait 3 ans de plus que moi, et un rabat et le Colin ont passé. C'est pas possible, ça. C'est insupportable. C'est insupportable. Mais en tout cas, ce que je veux qu'on retienne, c'est que la vie d'un homme, la vie d'une femme, ben c'est qu'est-ce qu'on a fait pour son groupe, qu'est-ce qu'on a fait pour sa société, qu'est-ce qu'on lui a apporté, qu'est-ce qu'on a fait pour sa famille, qu'est-ce qu'on a fait pour ses enfants et qu'est-ce qu'on fait pour ses arrière-arrière-petits-enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser. Boisfouillé, pour Colin, pour Colin. Pardon, on a dit Boisfouillé, mais c'est même Bitin là-haut, c'est même Racine là-haut. Nous cabaye, continuez. C'est ce que Colin nous dit. D'ailleurs, j'ai écouté ce que disait tout à l'heure Marie-Georges, mon cousin. Colin a dit qu'il ne veut plus être vice-président. Et ça va être des calisotes. Tchèvé Bitena. Et moi, je serai avec vous pour nous tchèvé Bitena. La famille, merci. Tenez fond. Tenez bon. Sachez que vous avez perdu quelqu'un, mais que notre société a gagné quelqu'un qui a apporté sa contribution à son développement. Merci. Un applaudissement à Toto, docteur Toto Gordien. Bonsoir, bien bonsoir tout le monde. Bonsoir. Effectivement, Colin, c'est un ami. Un ami de longue date. On a vécu ensemble, on a milité ensemble, il faut dire, de lutter. Ensuite, au travers des associations. Et après, c'est un militant qui a transmis. Il a transmis beaucoup de choses. Il était dans la transmission, notamment les veillées mortières, l'apprentissage à la langue créole. Et qui peut être là maintenant, nous toutes les petites créoles à nous, facilement, sans complexe, c'est à cause de grands hommes comme ça. Et mais Colin, c'est un homme droit, intègre, et que j'apprécie beaucoup. Merci. Et merci à toi, Colin. Merci Jacques. Nous avons beaucoup insisté sur la transmission. Lorsque j'ai annoncé à celle qui m'a formée, parce que on ne le dit jamais assez, je suis avocat de profession et elle m'a accueilli à son cabinet, elle m'a formée pendant des années. Je parle de Madame Georges Boulanger, avocat, notre ancienne ministre et maintenant défenseur du droit. Lorsque je lui ai annoncé la mort de Colin, elle m'a envoyé un mot me disant c'est incroyable. Il m'a accompagné dans mes 2 décès. Colin ne faisait pas de distinction entre les petits et les grands. Lorsqu'il y avait le malheur, la souffrance, il était là. Et Georges m'a dit, je serai là. Georges, c'est à toi.
bonsoir à vous, bonsoir à toutes. Donc effectivement, je suis venue d'abord pour dire à la famille de Colin toute mon amitié et le fait que dans ces circonstances difficiles, je suis avec vous. Et effectivement, comme j'ai dit à Angèle, je connaissais Colin depuis longtemps, je connaissais le militant, je connaissais l'homme de culture, l'homme de médias, et par conséquent, même, comme on disait, le militant, puisqu'on a évoqué cette marche de 98 où nous étions si nombreux. Donc, on se suivait, on se connaissait, et je l'appréciais depuis longtemps. Mais c'est vrai que là où il a pris une place particulière dans ma vie, c'est quand j'ai eu mes deux décès. Eh bien, il a pris les choses en main, il a pris les cérémonies en main, il a organisé tout ça pour que mes proches puissent partir dans la musique antillaise, dans une espèce de climat qui est un climat chaleureux, un climat amical. Et par conséquent, là, j'ai vraiment bien apprécié parce qu'il a été présent pour moi au moment où, vous savez, quand on a un décès, on est un peu fragilisé. Et c'est vraiment là où je me suis dit que c'était un homme bien. Donc voilà, aujourd'hui, si peu de temps après, puisque finalement, ça fait à peu près 2 ans, cette cérémonie que j'évoque, et si peu de temps après, c'est lui qui s'en va, d'une manière un peu inattendue pour nous qui n'étions pas au jour le jour à ses côtés. Mais je dois dire qu'à ce moment-là, pour moi, c'était très inattendu. Mais je me suis dit que de la même manière qu'il avait été là pour moi quand j'avais eu besoin, eh bien, je me suis dit, il faut que ce soir, je sois aussi là, aux côtés de la famille, pour leur dire mon amitié et mon estime pour cette personne de qualité qui était Colin Sérin. Voilà. Merci Georges. Donc les amis, vous voyez, hein, pas les petits, pas les grands, hein, c'est nous. Je vois, il y a une dame qui fait signe qu'elle ne veut pas, mais normalement c'est elle. Joël, c'est qui après qui s'exprime? C'est la mère adjointe de Pierre Fitt qui a Vanina Noël. Hein. Vanina Noël qui est mère adjointe à Pierre Fitt, qui est en charge de la démocratie et des droits des femmes. Et je souhaiterais, et nous souhaitons, et tous, remercier chaleureusement Vanina. Comme je pense qu'elle a dû sortir un peu, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Vas-y, Jo. Ben, on va appeler Madame Clavier. Bonsoir, c'est Viviane. Je suis présidente de l'association Au Parfait des Îles. Mais avant ça, on avait déjà appelé Vanina. Donc je continue. Donc je suis présidente d'une association qui se trouve à Nanterre. Donc c'est Au Parfait des Îles. Et en petit, je préfère parler en créole parce que Colin t'es qu'à toujours parler en créole. Tout ça, il t'es qu'à faire événement. Il n'y a pas ça pour d'autres monde. Hein. Mais événement, c'était nous devons partager toute bité, que ce soit texto ou bien parler, nous devons parler en créole. Donc ça, on t'a envie de dire, c'est que, qu'on l'a encouragé moi, à faire un lobbyité en association là, maquiller créole. Donc en fait, 2 ans, dictée créole avec Colin, dernier dictée là, pour lui, c'était un succès, effectivement, tenir un léger petit monde avec nous. Et il n'y a qui pour ça, et pour d'autres idées, hein, parce que Colin c'était un bon ami et un ami frère. On t'a demandé Colin n'importe qui conseille, si n'importe qui idée, il était capable. Et donc ça impédit que tout le monde, tous les amis, famille, petit monde à Colin, on peut souhaiter eux. Toutes mes condoléances et tiens bien fort, bon Dieu et mes autres. Merci Madame Clavier du côté de Nanterre. Ah ben, nous allons appeler, avant nous, Vanina Noël la parole, nous allons appeler Christophe et Fatia, justice pour Clodo. Il dit des mots. Parce que Colin accompagne assez souvent, moi Colin accompagne assez souvent. Nous recevons l'espace FM au moins 4 fois. C'est un soir qui a touché un peu tout le monde. C'est un soir qui peut arriver tout le monde. Je laisse la parole à Christophe. Oui, bonsoir tout le monde. Nous représentons encore plus sincère qu'on nous lions sans nous. Nous savons qu'elles ont une épreuve qui est très difficile, très compliquée. Et nous avons besoin de l'eau force, de l'eau
Parce que Colin, c'était Bouga l'amour, c'était Bouga qui était douette, c'était Bouga automitant, c'était Bouga la culture, c'était Bouga la vie guadeloupéenne, c'était bien à la vie caraïbéenne, encore plus la hauche. Donc, il faut nous savoir nourrir ces mouns-là, ça, mais il faut nous savoir nourrir de vivants à eux. Nous avons des Bouga contre Johnny, contre Joël, contre Dorla, qui l'a joué là, des mouns qui promouvoir qu'ils sont en nous, des mouns qui fait que le pays Guadeloupe en nous, qui vivent à travers l'Hexagone. Donc, ça a été important pour nous de bailler des mots. Ça a toujours compliqué parce qu'on est toujours aussi à notre travail de deuil là, ça qui est quasi impossible. Donc, nous devons comprendre vraiment la souffrance et la douleur que la famille, les amis, à Colin, qui vivent aujourd'hui là. Mais ça a été essentiel pour nous d'être présents parce que Colin, bon, nous avons l'amour. Colin, bon, nous avons l'eau force. Colin, bon, nous avons l'eau conseil. Donc, nous devons vraiment être là, aujourd'hui là. Et tout ça nous peut faire bailler, nous peut faire bailler. Et nous devons toujours honorer mémoire. Et nous devons jusqu'au bout de la combat là, ça, parce que nous savons que ça a été très important, bail. Et nous devons gêner la guerre. Et nous devons remercier encore de l'aider. Je vais appeler Marc Zako, qui est aussi de l'association Lulkabaï et artiste. Qui sait? À toi. Bien, bonsoir. Donc, Colin Serin, c'est un collègue, un camarade, son ami. On voit NKB. Alors, le témoignage, mon dirigeant Colin, il y a une dimension. Il y a une dimension artistique, il y a une dimension politique, il y a une générosité, il y a une amour. Et Colin, ça nous passe, c'est que c'est un auteur-compositeur. Depuis les années 80, il était avec groupe. Matouba, groupe Banza, et il fait de belles textes. Donc, moi, ça a été fait en mémoire Colin, son poème, après un poème en fait spécialement pour Colin, mais son poème a adapté pour Colin. En bas, Kaobé, à ciel, la bondier, la voix va vanter, pied coco canté, coco vête tomber, coco sécurité. En bas, Kaobé, à ciel, la bondier, deux, trois, démêlés, on l'eau carrélé. Tiniki, kakembe, tiniki, konbebe, à la bébé, tout, madon, celle de loup. Tiniki, tout, péjambé. Tiniki, tipe, tombé. Tiniki, jaka, tiniki, teka, tiniki, tekeka. Mais, tiniki, moun, ka fait sept soleils levés en disant, on won. Passe. Même Jean Tini Moun de Kalbandé, Tini Moun a courage bien bandé, Moun a courage bien bandé, Moun a courage bien bandé. Et Tini Colin Serin qui t'a éclairé qu'on s'en tourne. Merci en pile, l'honneur et respect pour Colin, force et courage pour famille. Merci en pile. Alors mes chers amis et parents, nous allons terminer notre après-midi de hommage et de témoignage pour Colin par celle qui nous a accueillis dans sa maison. Elle est distraite, hein? Il doit faire l'eau des autres dans la mairie là. Vanina Noël, qui est maire adjointe à Pierre Fitte, en charge de la démocratie et droits des femmes, qui nous reçoit là, dans un lieu qui est agréable. Je vois nos amis derrière au fond au bar, on profite déjà. Vanina, c'est à toi et nous te remercions de nous avoir accueillis. Je ne vais pas être très très longue. Merci Angèle de m'avoir présenté. Alors Colin, c'est un très grand ami, c'était aussi un conseiller. Tous les matins, il ne manquait jamais de m'appeler, on parlait des actualités politiques et il me demandait mon avis. Il m'a accompagnée aussi en tant que maire adjointe, il m'a accompagnée en tant que présidente et fondatrice du collectif des Outre-mer. Donc je vais présenter aussi mes sincères condoléances à la famille. Je présente mes sincères condoléances aussi à toute la communauté. Alors quand Joël m'a appelé le dimanche du décès de Colin, Harry, Johnny, pour avoir une salle, je me suis dit la salle la plus adaptée et pour accueillir toute la communauté, c'était celle-ci. Les autres étaient beaucoup trop petites. Celle-ci, c'était la salle adéquate. Et je suis vraiment très contente et très ravie. J'en ai la chair de poule de voir autant de personnes qui se soient déplacées pour notre ami Colin, notre ami, notre compatriote, notre frère, notre cousin,
notre tout. Et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour ce déplacement. Et encore mes sincères condoléances à la famille. Je sais que c'est très très dur. Et mes condoléances à toute la communauté. Merci Colin pour son travail et j'espère que nous allons continuer en sa mémoire. Alors, je rappelle qu'il y a un livret de condoléances. N'hésitez pas à le signer. Je rappelle aussi que Colin Serin n'a pas écrit de livre, mais vous pouvez toujours regarder son travail sur sa page Facebook. C'est très intéressant. Alors, la parole est libre. Alors, on va appeler quelques membres d'association. On va commencer par Dorla de Choucage. Et la parole est libre, si vous voulez. On n'est pas mort parce que l'esprit a collé là avec nous. Collé son goût qui fait en l'eau. Surtout pour nous qui vivent, la diaspora qui vivent ici, que ce soit en radio, que ce soit en Goka, que ce soit en Boulaguel, que ce soit en créole, Colin pas mort, Colin là. Et grâce à Colin, aider les billes, il peut j'ai disparaître, nous peut j'ai oublié. En cas de aussi a dit que, au nom du mouvement culturel Choucage, que depuis nous te prenons téléphone à nous dit Colin nous besoin, soit pour marquer créole, soit pour parler, soit pour dicter, soit pour histoire, soit pour engagement politique qui est tenu parce que le progrès c'est un profondément quoi nous payer. En celle de que dit Mafin, merci Colin et travail là qui a continué, qui a fait que débuter. Merci encore camarade. Force. Et force à la famille. Parce que ce sont des petits hommes de nos familles. On marie, on papa, pour tout le temps. Merci en pile. Et merci Kaudo pour ça que nous avons ensemble. Ne nous pas oublier. Merci, mais ni mon passé avant moi, c'est un héritage. Parce que la bande à Miguel, Johnny Gray, ils ont passé avant moi. Et tout ça, c'est un héritage à eux. Et on va espérer que nous puissions continuer le travail là. Raymond Latcha va faire un poème pour Colin. On a 15 minutes pour finir le temps de parole. Bonsoir tout le monde. Colin, c'était pour moi. Après, il dit grand bitin si, je vais faire un petit poème. Colin, adieu. Je crois que dans cette vie, je ne te reverrai jamais. Dieu passe, il t'appelle, il m'oublie. En te perdant, je sens que je t'aime. Pas de pleurs, pas de plaintes vaines. Je sais respecter l'avenir. Tu t'en vas plein d'espérance, avec orgueil tu reviendras. Vaincre la voile qui t'emmène, en souriant, je la verrai partir. Merci. Et là, voilà, midi est arrivé, nous avons fait un atelier toute la journée. Le midi est arrivé, Colin est arrivé, on connaît d'ombre, on connaît dirie Mori, on connaît dirie Gombo. Et bien, ce petit monde a été content, Colin a eu, il a été aimé, Colin a eu. Et Colin était en boucle, qui était avec nous, plein d'amour, et il était à transmettre tout ça, il était digne à transmettre en cultura, musique et manger. Alors, quand il y a un petit mot, bah, qui a écrit, bah, un petit mot, bah, Colin. Moi qui dis en français, Colin était un être unique pour tous les souvenirs qu'il a déposés en chacun de nous, tous ces instants de vie qui resteront présents en chacun de nous. Lorsque nous sommes réunis ainsi en son honneur, son absence rend sa présence multiple. Merci pour Colin. Merci Zami, les 10 amis Basté. Est-ce que même Colin, je vous tiens dans Colin Basté. 10 oreilles en premier, après tout partout en deuxième position. Bien bonsoir tout le monde. Arama des autres tant pis s'il vous plaît parce que c'est pour Colin Arabalé. Donc, à 6 dimensions à travail, dimension à travail politique, en que dit ça, pas d'avoir. On était là pour souveraineté à pays Guadeloupe.
et on ministre à l'État français car on lit hommage. Ça, c'est une dimension politique. Faut pas nous laguer ça. On ministre à l'État français car on camarade Guadeloupe hommage pour travail fait à côté d'elle. Merci, ma ministre. Deuxième mité, il a fait un travail formidable avec Loïc Libero qui blessé à un attentat et en illocation pour ni descendre ça pour anniversaire à Loïc en présence à Kinoaï, Caroline de Monaco nous fêter avec Loïc à dans l'hôpital français en Balala. Hommage, un grand hommage à Loïc Libero. En cas d'espérer que le travail là ça que continue. Bon voyage, les amis. Allô, tout pas tout gagné. En cas de bien, en cas de aller. Et quand tu m'aimes, quand Pierrot y est, en cas de Pierrot, c'est grand frère moi. Mais quand tu m'aimes, Pierrot, c'est beau frère moi. Pierrot, quand sorti avec Serre moi. En rester, parce que c'est notre dernière fois, il dit ça aussi. Et en cas de que c'est beau qui. Solide, c'est beau qui, moi, très peu quand tu connais lui, nous voulons bravo Babou Gassa parce que il ben nous un bel amour, bel partage et bel respect. Et on a dit condoléances à la famille là. Merci en pile, Madame Colin. Merci en pile parce que ici, ben nous, on l'a l'amour, on l'a, puis que nous partons même connaître. Et si je dis jour, moi en tambour, c'est par rapport à ces bougas ça, parce que c'est eux qui fait que si moi en tambour je dis là. Et toujours dit moi que continuez quand il est là, là parce que nous on voit exceptionnel. Merci Colin, merci famille là, et merci tout le monde qui est là. C'est un nombre de camarades, nous menons un combat très difficile, très 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 dur pour l'indépendance pays nous. Monte Carlo rentrer. À dans prison, rendre visite ces camarades-là, et c'est Colin qui t'a venu joindre moi, rencontrer moi pour nous parler, pour me dire qui ça a fait, qui ça nous paye, c'est fait, à dans collectif avocat, etc. Même jour, à nous causer là, chaque année, le dimanche qui a collé, et puis ça, nous guépons le dimanche pour nous tchébé jouta là, pour Colin. Voilà. Et merci et tchébéré. Mais nous pas jamais lâcher pour banou. Pour la dignité, respect. Bonsoir tout le monde. Alors, je m'appelle Tony Doral. Colin était un. Alors, mes condoléances à la famille. Et merci à tout le monde. Colin était un grand syndicaliste. C'est bon. Désolé. Et en fait, il y a quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. C'est que moi, je travaille à FedEx. Colin travaillait avec nous pendant 27 ou 28 ans. Lorsque la direction le voyait arriver, il tremblait. Parce qu'en fait, c'était un gars qui faisait quelque part peur. Il avait un super visage, mais les responsables de FedEx avaient quelque part peur de lui. Alors notamment, si maintenant il y a des managers, plusieurs cadres, énormément, managers, team leaders, chefs d'équipe, noirs et maghrébins, c'est grâce à Colin. Parce qu'un jour, il était venu dans une réunion et il avait dit qu'il est hors de question que dans une aussi grande entreprise qui fait autant d'argent, il n'y ait pas de... C'est des entreprises qui étaient dirigées en général que par la base. C'est des Noirs, des Maghrébins et tout. Et il n'y avait aucun pour diriger ces équipes. Il a dit qu'il en est hors de question. Les gars de Memphis sont venus à Paris quand ils ont vu Colin. Ils ont dit, ce gars-là, il fait peur. Donc, beaucoup de gens, il était dans le milieu culturel, il était OK, il a transmis beaucoup de choses. Beaucoup d'entre nous ont appris à parler à créole grâce à lui, parce que beaucoup sont nés en France ou n'ont pas appris à parler créole, on a appris à parler créole grâce à lui. Il nous a transmis pas mal de choses et c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses pour les employés FedEx et même les syndicalistes, la CGT, la FO autour de lui. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bien bonsoir.
En fait, je vais parler en nom à quatre moun, Eric Kozak, Jackie Jalem, Firmin Aubertin, les firmes qui n'étaient pas là, Jackie en Guadeloupe, Eric en Guadeloupe. Ils ont qu'à comprendre pourquoi. Moi-même, le personnel, a rencontré Colin en 87. Elle était sortie en Guadeloupe. Elle était qu'à l'époque, elle était qu'à courir les roses. Elle trouvait moi dans une soirée à la GEC, parce que faut savoir dans la ça, il y a des associations guadeloupéennes en France qui étaient importantes. Il y a la GEC, les étudiants, et il y a du TEG. Pour les gens qui sont plus anciens, ils savent ce que ça veut dire. L'Union des travailleurs émigrés guadeloupéens et l'Association générale des Guadeloupéens. Et la GEC et du TEC tenaient l'habitude de faire des manifestations et un théâtre en Yon, c'était en 87, sorti des résidents, et d'avoir un TK courir les roses, et bien maintenant qu'à chanter à l'écris. Les plus anciens savent qui mounge l'écris, c'est-à-dire Christelle Egg. Qu'on était là, donc nous prenons 8 pages à chanter. C'est comme ça qu'a passé. Et nous venons à connaître nous comme ça. Firmé, lui, première fois, il voit Colin en 85, Adam, on songeait à Moa Vélo. Et avec Phipps, avec d'autres mondes qu'on. Qui laisse encore Mario Méry, Lydie Méry, avec d'autres encore, ils ont créé un groupe, nous, ça c'était Banza. Les plus jeunes ne pas connaître Banza. À l'époque, Banza, c'était un groupe à Saint de Gacrier, le mouvement patriotique guadeloupéen. Pour les pays anciens, ça a ramené des côtés. Et Banza, c'est qu'à jouer différents côtés, il a joué en Corse. C'est là qu'il a tiré Fizi en l'air dans les journées de Corté. Et tout ça, Colin, si qu'à t'en moins, il doit être qu'à sourire parce que. C'est ça, c'est l'éviter qu'à marquer des mouns, mais on va rencontrer aussi les jeunes mouns, on va penser après demain, la Guadeloupe qui est indépendante, c'est ça qu'on va penser en tête d'art, donc là on va trouver à côté, c'est comme si on va manier vite l'indépendance là. Et je te remercie d'avoir un peu anticipé, puisque c'est pour le 1er janvier 2025, après l'hommage rendu par Serge Romana, c'est difficile de venir après. En tout cas, moi, ce que je souhaite vous dire, je suis heureux de vous accueillir à Pierrefitte dans ce gymnase pour vous permettre de faire un hommage à Serin Colin, puisque apparemment, c'est une personnalité importante qui a un militant important qui a fait beaucoup de choses pour vous, qui a fait beaucoup de choses au niveau de la Guadeloupe. Et donc, c'est avec plaisir que j'ai prêté cette salle quand Vanina m'a fait cette demande dans la semaine. Donc, je suis auprès de vous pour cet hommage qui me semble important, parce qu'il y a des personnalités à qui il faut rendre un hommage fort, et je pense que Serin Colin faisait partie de ces personnes-là. Merci à vous, bon après-midi. Merci, monsieur le maire. On continue avec monsieur Tolio. Messieurs, dames, bien bonsoir. A peine été longtemps parce qu'on a pensé que tout le monde qui a dit que c'est Colin, on sait qui j'en ai l'atelier. En 5 ans, quand même, c'est parce que dans les années 90, c'est le premier monde qui a interviewé moi sur la radio en France. Donc, quand même, merci. Mais souvent, l'envoi au monde à nous traverser, il a dit que Nama est représenté. On pas d'accord. C'est Chela qui a reposé, Chela qui a pourri, Madame la Cavoli. Alors, moi, quand je dis que merci pour ça, pour PEP, tout le monde qui est en vous, qui était au courant, ça, on va faire. Continuez à voler là-haut et nous combattons en coup de tambour plus tard pour nous voler au wagon Babala. Merci à tout le monde. Merci, M. Tolio. Jean-Marc. Tout le monde, je tiens à dire quelque chose à la famille de Colin, parce que ça fait 4 ans de ça, j'ai connu M. Colin,
Et puis de là, on a créé une amitié. Et à la suite de ça, entre-temps, ça fait l'année dernière, jour pour jour, au mois de juin dernier, et puis quelqu'un a plus ou moins assassiné ma fille qui avait 22 ans. Et puis M. Collin, à la suite de ça, comme j'ai fait des marches pacifiques, il a entendu parler de ça et il est venu chez moi et il m'a interpellé. Il m'a dit, Jean-Marc, beaucoup de courage, et il m'a donné beaucoup de force, en fait. Et puis le jour de l'enterrement, il a mobilisé son petit groupe de Goka. Je suis un petit peu ému comme ça, hein, de parler de ça. Et il a mobilisé son groupe, il est venu à l'église et il a fait une bonne a cappella pour ma fille à l'église. Et tout le monde était enchanté. Pourquoi? Parce que ça nous a mis aussi une petite entretien entre tout le monde qui était là pour faire cet hommage pour ma fille. J'étais très, très, très content de lui. Et à travers tout ça, je vois tous les témoignages de tous les gens qui ont témoigné pour ce monsieur-là. Je vois que c'était un monsieur qui avait du cœur et qui était très pacifique aussi. C'est ça qui est bien. Et puis, pour ne pas mobiliser le micro trop longtemps, je dis merci. Et puis, je dis condoléances à sa famille. Et puis, ce qui me fait plaisir, c'est-à-dire que nous, en tant que Blacks, en tant que la diaspora, ça m'a fait plaisir pour voir les deux présences qui étaient là, en la personne de Madame Angevin et puis Monsieur Romana. Et puis nous aussi, ce qui est quelque part très intéressant, parce que tous nos leaders dans toutes les communautés qui nous a donné la force, malheureusement qui sont partis, il y a Monsieur Omotunde, et puis il y a bien d'autres aussi dans toutes les communautés blacks. C'est malheureusement tous nos leaders, ils partent très très tôt. Mais il y a toujours, quelque part, quelqu'un qui revient. Et pour nous donner la force et pour qu'on continue. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être venus si nombreux pour rendre hommage à Colin. Colin, c'était un ami, un confident, un frère. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille. Il faut dire que j'ai connu Colin dans les années 2000, par l'intermédiaire de Erard David, qui était aussi un militant au sein du CM98. Et Colin avait déjà une place vraiment très, très importante. Personnellement, il m'a beaucoup aidé. J'ai fait un article sur lui sur le site Outre-mer Memory, mais il faut dire que Colin a beaucoup contribué justement dans l'essor de ce site, dans la mesure où il a été le premier à m'encourager dans la publication de ses articles, où je rends aussi un hommage aux gens illustres de chez nous. Donc c'est normal qu'il fallait lui rendre hommage. Colin, c'était le soutien, c'était un ami fiable. On a vu qu'il a rendu vraiment une grande aide indéfectible pour Loïc Libert, pour Thierry Doll, et il était vraiment dans tous les combats. Dernièrement, il avait lancé l'édité créole et le concours d'éloquence avec l'association des Aminotes, et vraiment il a fait un gros travail dessus, sur ça. Donc il ne faut surtout pas qu'il tombe dans l'oubli, parler de lui, garder sa mémoire, et j'espère qu'il y aura un grand monument qui s'affraie en sa mémoire. Je remercie particulièrement Mme Paul Angevin qui a fait l'effort de venir en sa qualité de ministre, mes amis. Sa présence est importante. La présence de Serge Romana, du CM98 et de toutes les associations que Colin a aidées. En grand pensée bail, en homme vaillant, en vaillant soldat. Merci bail. Et faites une grande minute, justement, remerciez-le, applaudissez-le. Applaudis, s'il vous plaît, merci. Toutes mes condoléances à la famille. J'ai vu les fils, la fille, la femme, et je suis tout simplement venu témoigner avec vous, hein, en tant que simple citoyen, de tout ce que Colin Serret a fait. J'ai appris qu'il a travaillé sur une stèle à Verdun pour les défunts ultramarins. La dictée créole aussi, c'était lui, et puis tout l'engagement culturel qu'il a pu mener. Alors, je crois que avec d'autres, on est là pour dire à la famille toute notre affection. Il a bien travaillé.
et tout notre soutien. Je salue aussi ceux et celles qui ont permis que ce soit possible aujourd'hui, ceux qui animent cette veillée, ce moment de partage. Et donc, eh bien, force à vous, madame, à vous, les enfants, et à tous ceux qui l'aimaient. Et je sais qu'ils étaient nombreux, ceux qui l'aimaient. Merci. En fait, c'était juste pour... On ne pas les créoles, parce qu'il y a quelque chose qui m'a mis, qui m'a ému. C'est pour nous faire ça, remercier tout le monde là qui est là, qui fait le déplacement pour papa. Johnny, tous ces gens-là qui ont organisé tout ça, bye. Ça a fait nous plaisir, donc nous tenons à remercier les autres. On va arrêter là. Merci beaucoup tout le monde. Et puis, Donc, à y répondre, moi, nous allons prendre un morceau là, ça, si l'idée vous peut faire pour la gueule. Et nous devons chanter Bayo Sola. Ok? En prenant le temps, en cas de descendre, basta. En cas de descendre, en cas d'arriver, basta. Rive si bon, basta. Prends l'auto pour moi, monter c'est Claude. En cas d'arriver devant la caserne, en cas contre un sentinelle de gâte. Bonjour mademoiselle, bien bonjour monsieur Cocolino. En cas de ici connaître Milo, il qu'a dit moi mais qui Milo est ça. Qu'a dit Milo Marie en moi, il qu'a dit moi oui connaître Milo. En cas de ici au prince soldat, sentinelle qu'a dit moi comme ça. Tellement yo prend soldat, yo voyez, Milo l'autre côté là, maman oh maman, maman oh maman. Yé les répondeurs, yé les bourgeois, yé la sonora, maman oh maman, maman oh maman. Nous pon la gaba, nous pon la gaba, la rue demoiselle. Nous qu'à descendre balif. La guémoire caille maman, oh maman. La guémoire caille maman. La guémoire caille maman. Décalicata, calacata, rabat. J'ai entendu qu'on appelle somnambule. Ça veut dire pas dormi. Hein? Mais ils sont beaucoup de bout. Au bout fondamental qu'on connaît. Faut pas l'oublier. Nous dit que Colin, c'est un militant, c'est un homme d'association, c'est un passeur. Donc, Johnny là, nous allons compter si Johnny avait l'association hein, pour toujours NKB, pour toujours passer. Johnny, comme dit les Français, c'est à toi la parole. Alors, je sais, en part, j'ai occupé de moi tout seul, envie indirectement pour présenter moi. Mais comme il y a une association, c'est difficile parce que son association Colin travaille vraiment avec eux à la fin créole, les amis notes, on ne peut pas penser eux-mêmes. Ça veut dire qu'avant de parler, c'est vrai qu'un bel petit moment il a été invité, maintenant on va profiter, on va crier parce que c'est important. On ne peut pas passer l'association là. Merci. Les amis notes. Merci. Alors juste un peu de force et courage à la famille et juste voulais dire. Colin, ta présence et ton soutien inconditionnel ont été d'une valeur inestimable pour moi. Tu m'as encouragé à aller de l'avant, à dépasser mes limites et à croire en moi-même. Nous étions sur la même longueur d'onde sur bien des points concernant l'être humain. Ton inspiration m'a poussé à atteindre l'objectif de la réussite de l'atelier Maquet Créole, dans lequel tu excellais dans ton rôle de professeur, comme nous aimions t'appeler. Nos dictées créoles que tu animais avec brio, merci de m'avoir épaulé à mettre en place le premier concours d'éloquence, de m'avoir permis de m'exprimer dans ton émission. Gratitude à toi, Colin. Ta sagesse et ta bienveillance resteront à jamais gravées dans mon cœur. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi et l'association aux Aminotes. Tu sais que je n'aime pas trop m'exposer et me taquiner souvent, Et tu me taquinais souvent en m'appelant Madame la Présidente, car tu savais que je n'aimais pas. Mais de ne plus t'en entendre dire, cela va me manquer. Pour finir, je n'ai pas attendu que tu ne sois plus des nôtres pour faire l'éloge du grand homme de savoir que tu étais et de l'admiration que je te portais. Je te l'ai dit de ton vivant,
car c'était sincère. Et je continuerai à t'honorer, de t'honorer car tu seras toujours là. Tu es juste de l'autre côté du chemin. Merci. Force et courage à la famille. Une dernière parole à mon cousin, collé avec moi, pour ma fille. Kabe. Les mounan Kabe. Même si ils ont pas les t-shirts là, venez ils ont vite, faut nous aller vite. Alors, Annette parle et tout ça, comme qu'il y a des mounes. Mais nous qui aille vite parce que temps a passé. Alors moi, juste pour moi, ils ont vite fait un bagage long, long. D'accord? Ah, ils ont tout bidé, ils ont regardé moi, ils ont vu tout bidé ma grand figure. Par rapport à Colin Serin, famille qui va arrêter de pleurer, Timoun aïe. Enfin, moi-même, en triste, même si je ne suis pas triste, en disant, il n'y a pas de rire, il n'y a pas de pleurer. Après, même si je suis aïe, je pense que nous avons d'autres bidé qui viennent derrière, peut-être qu'à un moment, on ne peut pas les blesser. Mais au fond, en triste, en triste, en triste, en triste, en triste, en l'eau même. Voilà. Donc c'était binôme à moi, j'avais compris ça, c'était binôme à moi. À part des associations KB, il était aussi, qui fait partie des groupes à moi aussi, somnambule. Donc en tant que simplement, voyons en force, pas pour moi, mais pour famille. Et nous espérons vraiment que nous allons monter la pente sans ligne qui n'est pas facile, et pas facile pour tout le monde. En tant que remercier aussi toutes les associations qui portent manœuvre, tous les gens qui alignent à côté, les médias qui nous en force, les radios qui sont soutiennent pour que les gens viennent en disant et après-midi là ça, soutiennent nous. Donc, toute force en moins, on va laisser pour la famille là. Voilà. C'est tout ça que je veux dire. Et on est disponible pour vous depuis que crié moi là. Voilà, madame et Timounaï. C'est ça seulement que je veux dire. Comment l'association NKB avec Colin s'est organisée pour nous transmettre un élément fondamental de notre culture créole? Peut-être que nous toutes nous pouvons aller inscrire nous à dans l'association là pour nous quimber et assurer la transmission que Colin a laissé dans nous. Donc peut-être qu'on nous bailler force là aussi. Parce qu'on a pensé que peut-être là qu'est raide. Et nous avons un deuxième message que nous avons là. Il ne faut pas nous faire derrière. Tout le monde a voté comme matrité, expliquer que Jean-Colin c'est un bon solidaire. Il n'a pas besoin de ça. Qui a qui moun, il a déplacé? Nous avons Chris Réunion Ganel. Nous avons Georges Paul Fin. Moi-même, l'envoyé sentir faible, il crie. On a tout petit à un moment, Colin a crié pour dire qu'il a crié. Donc, nous avons crié son homme fondamental. Il y a certains qui parmi nous sont des hommes et des femmes fondamentales. Alors, il faut nous mettre debout, nous ne pouvons pas calaguer, nous devons rester solidaires et nous devons continuer. Donc, nous ne pouvons pas céder. Hein. C'est juste un moment, un passage, il passe de l'autre côté et nous, nous avons fait la suite. Donc, nous ne disons jamais si à Zot qui vient parce que nous sommes venus loin, tout ça qui pète, moi-même, je pète en venant, mais tout, on pète, mais arrivé quand même. Dis merci à toutes ces madames-là et ces messieurs-là qui ont nous bon, bon manger, en captant nos fonds, là, ça rajoute, empêche nous. Regardez, voilà. C'est l'Alsace, c'est la Lorraine, tout ça, c'est des champs de veillée et de gourka. Pas moins d'autres, pas d'autres, ni d'autres. Qu'aimez-moi, qu'aimez-moi, maman ou maman, qu'aimez-moi, qu'aimez-moi. Donc, ce sont ces champs de veillée qui nous ont emmenés à Verdun, qui nous ont emmenés à ces soldats, et qui nous ont emmenés à leur ériger une stèle. C'est un aficionados du gospel. J'ai connu Colin dans plusieurs interviews sur Média Tropique, Tropique FM et Média aussi. Et en plus, nous avons dernièrement collaboré sur un projet avec Johnny et sa famille, Sopa Kronka. D'ailleurs, je vois beaucoup de visages sur ce projet. Je vais vous chanter juste un ego spiritual qui dit « Precious Lord, take my hand ». Oh Dieu, tiens ma main dans ce moment de tristesse. Precious Lord, yeah, take my hand, lead me on, help me stand. You know I am tired, Lord, so weak, so worn. Yes, Lord, through the storm, oh Lord,
I want you to lead me on to the light, my precious love. Take my hand, Lord, and lead me on my way, Lord. Lord, take my hand, Lord, and lead me home. Take my hand, sweet Lord, and lead me home. I want you, Lord, take my hand and lead me Adam, je vois qui c'est en fait. On parlait avec Adam, je ne connais pas tout le monde. Je ne veux pas. Ah, toutes les familles se ressemblent tous. Ah. Merci. Tu peux parler. Non. Donc je disais, nous, tu vois, ce qui me surprend, c'est de voir son parent. Oui. I do more.
Thank you.